Ça fait un petit moment déjà que j'habite à Shanghai. Mais déjà, moi, ma femme est chinoise et elle m'a appris beaucoup. Elle m'a beaucoup parlé des ingrédients, hein, les ingrédients qui vont être chauds, les ingrédients qui vont être froids, qu'est-ce qu'il faut manger quand le corps va pas bien, tout ça. Donc, hein, quand on est malade et qu'on boit un bon thé de gingembre avec beaucoup de gingembre dedans, après, on se sent super bien. Enfin, ça fait plus de 20 ans que je fais de la pâtisserie, donc des poires, bien sûr, j'en ai utilisé depuis 20 ans, mais je savais pas que depuis, bah, les poires, c'était bon pour les poumons ou pour autre chose. Le gingembre, bien sûr, j'en ai déjà utilisé, mais je savais pas, donc... Le fait de travailler en Chine et d'avoir fait ce projet-là, ça nous a montré qu'il n'y avait pas qu'une facette de goût ou une facette de beauté, hein, il y a aussi une facette bon pour la santé. Moi, c'est ça qui m'a donné envie de travailler ces trois produits, c'est parce que je les utilise. Je les aime et je les utilise très souvent, hein, je les mange très souvent. Le gingembre, oui, on l'utilise parfois, hein, parcimonie, hein, vraiment pour donner un léger goût en arrière. Pas vraiment goût gingembre, on va s'en servir pour rehausser un autre goût généralement. Et depuis que je suis en Chine, bah, peu à peu, on s'habitue un peu à manger un peu pimenté, et puis à la fin, vraiment, on adore ça, on adore quand c'est bien salé, quand c'est bien pimenté, quand il y a beaucoup d'épices, quand il y a beaucoup de goût en fait. Hein. Ce qui était intéressant avec le gingembre et la lentille blanche, c'était la différence de texture et de goût. Hein, la lentille blanche, un goût qui va être assez terreux, hein, assez plat, mais une texture assez intéressante, assez riche. Tandis que le gingembre, il a quasiment pas de texture, vu qu'on va le râper. Donc ça va juste donner du peps, hein, ça va donner du relief au gâteau. Mais il y avait pas mal de techniques, hein. Par exemple, dans la tartelette, on a eu... Et dans la verrine, on a vu le pochage des lentilles, on a vu le confit, hein, on a vu le crumble, hein, donc on a vu vraiment plein de techniques différentes. Hein. C'est ce que je vous disais, dans un gâteau, on essaie toujours de varier les textures et les goûts pour avoir quelque chose qui va avoir le plus de relief possible. Donc,